Este livro também tem um subtítulo. Este subtítulo é o Dicionário dos Intrudizíveis. Porque um conceito filosófico, como se pode traduzir um conceito filosófico? O conceito filosófico tem com ele toda uma história. Então, este livro é a empresa para tentar de fazer isto e de fazer também passagem e pontes entre os conceitos. Para falar e dialogar com Bárbara Cassin hoje, temos o prazer de acolher José Gil, que é um filósofo que não vou apresentar um público português, José Gil, e também não vou apresentar José Bragança de Miranda. Muito obrigado por ter aceitado este encontro e deixo a palavra aos filósofos. Obrigada. Não sei se o meu francês não é grande coisa, mas se todos entenderem francês, posso experimentar. Se não, falarem em português. Parece que o José Gil decidiu falar em francês, mas ele, neste caso, percebe-se bem. Bem, como a mim, ao mesmo tempo, dizer algumas palavras, a sessão vai decorrer da seguinte maneira: faço uma breve apresentação da professora Bárbara Cassin. E depois eu e o professor José Gil colocaremos algumas questões sobre o problema da tradução. O professor José Gil já me disse que será mais sobre a questão do livro, do vocabulário europeu dos filósofos, das filosofias ou dos intraduzíveis. E a professora Bárbara Cassin depois responderá como achar. Preciso saber que se estou a falar num ritmo suficiente para a tradutor. Se houver algum problema, tem que me avisar. E fará uma resposta, ou desenvolverá o que achar, em relação às duas pequenas intervenções que vamos fazer. E depois generalizamos o debate à sala. E faremos, portanto, uma discussão. Então, em termos da professora Bárbara Cassin, que é, ou seja, diretora de investigação no CNRS, e que eu tenho o prazer de confessar que leio há muitos anos, porque dentro de uma certa fuga da ontologia que ocorreu na Europa, encontrei-me com o pensamento dela, nomeadamente uma defesa que na altura nem era fácil, dos sofistas, contra a metafísica e a interpretação da metafísica e da ontologia que dominava nos anos 70, 60, 70. E, portanto, fui seguindo sempre o seu percurso, que se foi diversificando nas interrogações em torno da filosofia do Lacan, do Heidegger, fui dando conta, foi-se aproximando também cada vez mais do Alain Badiou, com quem publicou dois livros, um sobre o Lacan e outro sobre o Heidegger e as mulheres, devemos-lhe este esplêndido trabalho, que é uma espécie de trabalho de Sísifo, mas que chegou ao fim, que é o vocabulário europeu das filosofias, que chamam os intraduzíveis, e que está neste momento a ser traduzido numa série de línguas, que é um trabalho, parece que o trabalho de tradução ainda mais complexo do que de publicação, porque ainda não chegou ao fim praticamente em nenhuma das línguas, e que será o pretexto para discutirmos um pouco em torno da questão da tradução e da relação com a situação, ou a questão europeia, no fundo, que é uma questão, de certa maneira, que passa pelas línguas. Eu não sei quem inventou o título A Tradução é a Língua da Europa, é um excelente título, mas deixa-nos aqui com uma missão espinhosa. Sim. Humberto Eco. Deixa-nos aqui com uma missão espinhosa. E, portanto, iremos ver como é que podemos sair disso. As minhas questões, houve tempos que fiz tradução, fui tradutor, rapidamente percebi que para não morrer de fome devia mudar de atividade, foi o que eu fiz.
e portanto fiquei uma apenas um interesse, pela tradução e fundamentalmente porque é que significa, porque é que é, tão, é uma atividade de certa maneira tão dramática e que tem um fundamento político tão forte. Basta pensarem, por exemplo, a dramatização que o Heidegger faz da tradução latina dos termos da metafísica grega e a ideia de que desde que essa tradução passe pelo filtro latino implica logo uma destrução fundamental, uma entrada numa espécie de domínio do controlo, da vontade de poder absoluto. Ou seja, seria fácil, e alguns fizeram-nos, seria fácil mostrar que a maneira como o Heidegger traduz e fundamentalmente critica a tradução latina é uma questão profundamente política, mas que, se inscreve ao mesmo tempo na ontologia e na metafísica mais profunda do Ocidente, fundamentalmente do Ocidente Europeu. Portanto, irei, no meu caso, tentar tratar um bocadinho o problema da tradução de um ponto de vista mais, como é que se pode dizer, um pouco mais especulativo, no sentido de tentar perceber porque é que, e estou a partir de um texto que a Madame Cassan, a professora Cassan, conhece bem, o texto de Walter Benjamin sobre a tarefa do trator, que claramente não é um texto sobre a tradução como uma teoria da tradução, uma teoria técnica da tradução, mas é um texto especulativo sobre, que procura localizar a tradução como um problema grave da situação europeia nos anos 30. Portanto, irei partir de algumas questões. Para mim, é importante que se fique com a ideia de que essa visão especulativa da tradução tem como se afirma logo no início do ensaio do Benjamin, tem como sujeito nenhum auditor, nenhum espectador e nenhum, como ele diz, nenhum leitor, nenhum quadro, nenhuma sinfonia, etc., depende daqueles que escutam, que leem, etc., mas para ir à razão, tentar interpretar o que é que ele quer verdadeiramente dizer com isso. E a minha opinião é, trata-se de um problema que tem a ver com a questão de como é que seria a língua dos humanos ou a língua da humanidade. Ou seja, se é possível haver, ou voltar a haver, uma língua comum numa situação onde, claramente, havia uma guerra geral na Europa e essa guerra era uma guerra que se suportava também sob políticas linguísticas fortes. Para poder... vocês sabem que, normalmente, estes textos e estes problemas são analisados sobre a questão do mito de Babel. O mito de Babel que diz que partimos de uma língua original... originária, que depois se fragmentou, seja em facetas prismáticas ou em que as línguas seriam as ruínas dessa língua original. Mas, na verdade, eu acho que para podermos perceber o que está em causa, nós devemos partir não da ideia de uma língua na origem, mas, no fundo, qual seria a língua dos fins dos tempos, ou seja, de um tempo que podemos definir como geopolítico ou cosmopolítico, uma língua que não correspondesse a nenhuma língua nacional, nem a nenhuma obra que viesse de uma língua nacional. Ou seja, a partir, o mito de Babel não é verdadeiramente o início para o romantismo, mas é verdadeiramente, o permite verdadeiramente interrogar a questão dos fins. E eu queria um pouco desenvolver esta ideia. Ou seja, haver necessidade de tradução é porque todas essas línguas se inscreveriam numa... ou comunicariam numa língua única que elas refletariam sem conseguir esgotar completamente. Mas essa língua única é absolutamente essencial. Seria a língua da humanidade. Não a língua, não seria nem francesa, nem francês, nem português, nem alemão, nem grego, nem matemática, mas seria a língua da humanidade. Língua, como é que se relacionam as obras, ao ser traduzidas de umas para as outras, de umas línguas para as outras, com essa língua que se chama pura ou originária? E eu diria que, do ponto de vista do fim, as hipóteses que se colocam são, basicamente, ou manter a transmissão, a lógica da transmissão como a conhecemos, e ele chama isso a catástrofe, ou a extinção geral, ou considerar que existe uma comunidade humana dos habitantes da Terra que se pode entender contra e apesar das línguas nacionais, que são em si mesmo...
o resultado da tomada de posse da terra e de uma certa cristalização dessa posse. Nós sabemos que justamente toda a ideia do canto sobre a comunidade pós-política é a tentativa de fundar uma comunidade pacífica de todos os humanos ou de todos aqueles que habitam o planeta Terra, sem ter qualquer possibilidade de fundamentar isso que não seja numa... como é que se pode dizer? É acima de tudo, uma necessidade política. É uma necessidade que está, de alguma maneira, impendente na história. E como é que está impendente na história? Eu acho que aqui se começa a perceber um pouco o que é que está em causa. Nós na história encontramos infinitos sinais e restos e fragmentos chegam a nós e podemos organizá-los em narrativas que cada uma delas varia e cria mundos possíveis no interior do nosso próprio mundo. Por exemplo, uma história que passe... que venha do Spartacus, passe pela Comuna de Paris e chegue ao Brodsky, por exemplo, é uma história diferente de qualquer outra que os outros fragmentos para se constituir. E, portanto, ou seja, o particular ou a obra pode surgir sempre, porque, na medida em que eles correspondem a uma certa densificação densificação particular que se arrisca a criar mundos possíveis sem chegar verdadeiramente nunca a esgotar o problema, se quisermos, o problema da tradução. Ou seja, não é possível nunca que a tradução esgote essa linguagem do humano que só surge, não no princípio, mas no fim da história. A tradução, no fundo, é uma espécie de promessa desse imperativo de uma língua comum no fim da história, uma língua dos humanos. Imagino que neste momento vocês estão a pensar que que uma língua comum no século XIX era o francês, depois passou o inglês e antes foi o latim, estamos condenados a um império das línguas. Ou que se calhar o melhor é entendermos na pluralidade das línguas e achar que essa pluralidade é em si mesma suficiente, se respeitada, para resolver o problema. Mas a questão que está a colocar este pensamento especulativo sobre a tradução é radicalmente oposta a essa ideia. Não nega a pluralidade das línguas, considera que essa pluralidade, considerada em si mesma e na tradução normal, faz perder o essencial. E o essencial tem a ver, realmente, com um novo papel da tradução no pensamento europeu que está a constituir nos anos 30. Não é? Que está a constituir-se no Benjamin, está a constituir-se no Heidegger, está a constituir um pouco por toda a Europa. Desse ponto de vista, a tradução corresponde a um movimento que se coloca entre o princípio e o fim, entre o mito de Babel e a ideia de uma língua comum dos humanos, uma poética comum para os humanos que habitam a Terra, seria qualquer coisa da ordem do trans, ou seja, da pura transição, de um trânsito sem fim, de qualquer coisa em que o fim se coloca apenas no facto de não ter terminado ainda. Como dizia o Shakespeare no Coriolanos, se ainda não chegou ao fim é porque a coisa não acabou. Ou seja, chegará ao fim, mas se não chegou é porque não acabou. Mas é a própria estrutura da transição que coloca a ideia do fim, mas que não o deixa terminar. Não é? E nesse sentido, eu queria fazer uma defesa contra aqueles que atacam a visão benjaminiana da técnica. Queria fazer uma defesa do valor desse trans que está aqui em causa. Perdão, madame. Eu moro track 4 minutos. E à frente já me tem. Portanto, eu queria fazer mais duas notas para a discussão e para o debate, que é sobre o valor do trans na tradução. No fundo, o que é que é interessante na palavra tradução? É qualquer coisa que tem a ver com o Uber, com o trans, qualquer coisa que tem a ver com a adução, com o dux, o que significa, desde o indo-europeu mais antigo, qualquer coisa de um comando, um controle, alguém que, alguma coisa que consegue fazer com que algo ocorra,
que algo venha de um lado para o outro, que venha do invisível à presença, ou que venha do possível à realização, ou seja, toda a estrutura da produção. Toda a estrutura da reprodução. A tradução é qualquer coisa que não cabe numa lógica da produção. Não cabe na produção da obra, como não cabe na sua reprodução puramente técnica. Porquê? Porque a tradução nessa visão, sendo qualquer coisa que se passa apenas nessa transição e nesse trânsito indecidível e infinito, é qualquer coisa que apela para um outro tipo de técnica que podemos chamar a transdução. Transdução, ou seja, o facto de qualquer coisa que emerge para o próprio movimento, em que o movimento de onde vem é mais importante que aquilo que vem. O que significa que nenhuma obra de tradução pode esgotar o movimento é que a suscita indefinidamente. Qual seria o problema desta visão, aceitando esta visão, que penso em mim, que é a visão que de alguma maneira se deve depreender, tanto do ensaio do Benjamin sobre a obra de arte, como deste ensaio sobre a tradução? É que realmente há uma certa consistência técnica deste processo, que nós podemos definir com as tecnologias atuais hoje das redes, que são tecnologias do aparecer e do envio, que abolem a separação, a divisão espaço-tempo. É fundamentalmente o aparecer que conta. Mas por outro lado, é verdade que na tecnologia atual, com a tecnologia atual, nós começamos a verificar a traduzibilidade geral pelo sistema matemático e lógico-matemático dos corpos, da imagem, do som, da palavra, ou seja, uma traduzibilidade geral. Mas essa, para alguns essa possibilidade de que a traduzibilidade ou o trânsito ou o que está em trânsito ou o que aparece seja totalmente tecnologizado é da ordem do demoníaco. Basta pensar nos ataques que o Heidegger, no ensaio sobre a técnica, faz à ideia de que a aletheia possa estar, na forma da Gastel, possa estar se quisermos chegar ao ponto da extinção geral do humano, ou seja, a destruição, a possibilidade de destruição do próprio processo de aparecer. Eu vejo nessas possibilidades que estão abertas pela rádio, pelo cinema, nos anos 30, e que virão mais tarde em textos dos anos 30 do Benjamin, e que estão aqui claramente presentes neste texto sobre a tradução, qualquer coisa como potenciando as características históricas da disseminação geral ou da criação de um espaço planetário ou de um espaço comum onde o problema da tradução ganha a sua visibilidade política de uma forma clara. Ou seja, só pode surgir uma teoria da tradução como esta, especulativa, se o que está em causa realmente é a criação de um espaço planetário e aí dentro desse espaço planetário é uma possibilidade de vida ou de cosmopolítica, ou quiserem chamar-lhe, que exceda as nações, que se volte contra as nações e que, de certa maneira, força as nações a vergar-se a essa compulsão geopolítica, se quisermos, ou planetária, não sei, se quisermos, o que já é um problema para discutirmos, não é? Eu sou como todos, acredito como todos, que a nossa pátria é a língua portuguesa, e é por isso que gosto de falar em português, mas vejo cada uma dessas frases como dizendo que a maneira como navegamos o planeta, como navegamos e como o habitamos e como o circundamos, é a nossa língua. Não é por estarmos sediados num território que se torna mais forte, não é por ter um Estado e um sistema proprietário qualquer forte que ele se torna mais forte. É porque, se tiver capacidade de se integrar nesse processo de infinitos percursos da Terra, libertos da estratégia histórica da conquista ou da tomada da Terra, que levou à situação catastrófica que nós conhecemos hoje, que é nenhum problema verdadeiramente importante é resolúvel no quadro de nenhum país. Todos os problemas importantes são problemas planetários e não são problemas nacionais. E para mal ou bem, o capitalismo atual, na fase em que o Marx chama o capitalismo ficcional ou o capitalismo puro, obriga-nos a meter essa coisa na cabeça, porque não temos outra hipótese de responder que não seja planetária já. Portanto, há qualquer coisa nesta questão política da tradução
que atinge a Europa, atinge todo o pensamento e, de certa maneira, não é antitética com a questão de haver obras que têm que ser traduzidas e de haver obras particulares. Não é? O particular não é nenhum obstáculo a uma teoria política ou especulativa da tradução. O particular, no fundo, se quisermos uma forma fragmentária de aceitar a impossibilidade de recomposição. Estou-me a lembrar da totalidade, estou-me a lembrar da teoria do vaso quebrado do Benjamin, mas fundamentalmente é um ponto onde a linguagem geral, que é a linguagem comum dos humanos, que parece difícil de pensar, mas especulativamente não tem qualquer dificuldade, a linguagem geral e as obras particulares, ou seja, tudo aquilo que ocorre na história, como ele diz, tocam-se como as tangentes tocam o círculo, tocam-se apenas num ponto. Nesse ponto há uma comunicação entre a obra e esse ciclo, se quisermos, o ciclo do planeta, o ciclo dos habitantes do planeta, onde eles tocam. E esse tocar é um tocar que está sempre indecidido, porque fundamentalmente esse processo é um processo de transição absoluta, ou seja, de transição sem fim. Portanto, uma tradução, deste ponto de vista, e toda a tradução, toda a que se chega à obra, porque todas chegam sempre a obras, porque caem no sensível necessariamente por necessidade absoluta, não podem escapar-se ao regime do sensível, toda obra particular é, nesse aspecto, tentativa e cria novas possibilidades de fazer emergir quase monodologicamente essa necessidade especulativa de uma cosmopolítica, que seria aquela que alimenta a teoria da tradução, que não é apenas técnica, a partir dos anos 30. Eu, pessoalmente, considero uma verdadeira catástrofe a via que o heideggerianismo seguiu ao nível da tradução. E claramente, um fracasso político e um fracasso especulativo. Le génie civil au niveau de la traduction? Não, eu considero que, no conflito dos anos 20, 30, sobre a tradução, que a posição heideggeriana é até catastrófica para a França e para a Europa. Génie civil, em comparação avec d'autres que étaient en train de se former, que avait une pulsion plutôt marxiste, il faut l'avouer, qui avait une intention un peu radicale, que c'est la possibilité de rendre compte dans la pensée de quelque chose qui n'est pas un support, mais c'est un événement, que c'est l'avènement de la Terre. L'avènement de la Terre. Sa apparition pesant sur la philosophie, pesant sur l'histoire, et que la tradition spéculative peut donner un aperçu. On peut le penser, parce que son impulse intérieur, je crois qu'il vient de là. L'idée que c'est pas retourner à la théologie, c'est plutôt retrouver la planète. Okay. Sera mes questions pour vous. Peço desculpa, eu passo a palavra ao... Não, o meu francês é quase português. O meu francês é o francês mais português que eu conheço. Só eu e o Dr. Mário Soares conseguimos competir. Só eu e o Dr. Mário Soares conseguimos competir sobre quem é mais português no francês. Passo a palavra ao professor, amigo e admirado colega, professor José Gil. Eu queria dizer simplesmente ao professor amigo e admirado Margarida Miranda que a professora também amiga e admirada muito, Bárbara Cassan, me pediu para lhe responder antes de eu falar. Portanto, je laisse à Bárbara Cassan la parole. Excusez-moi.
certa forma de controlar as coisas. Difficile, difficile de répondre à une immense question comme ça. La traduction, ça n'est pas retourner à la théologie, mais retrouver la planète. C'est bien ça c'est bien ça la visée de votre spéculation. Je pense que je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites. Et il y a d'autres qui me paraissent, je veux dire, de l'ordre, pour moi, pas encore, pas tout de suite, pas si vite. Quelque chose comme ça. Benjamin est un monument qui nous oblige, nous contraint à, au fond, préférer l'unité. C'est ça le point, me semble-t-il. C'est-à-dire que on peut supposer, et on s'en fiche, qu'il y a une langue originelle, une langue une. Ça n'est pas le problème. Mais on suppose, et là on ne s'en fiche pas, qu'il y a une langue une à la fin. Que quelque part, nous allons communiquer de manière, et je mets tous les guillemets que vous voudrez, messianique. Et ça, c'est Benjamin, malgré tout. Et donc, ce que vous ajoutez ou ce que vous transformez avec votre spéculation, c'est non, il ne s'agit pas de messianisme, il s'agit de notre terre commune, notre planète. C'est comme ça que j'ai compris le fond de votre intervention. Je ne me trompe pas. Alors, moi, ce qui me pose problème là, c'est au fond la prééminence de l'unité, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit à parté hantée avec l'idée d'une langue originelle que vous ne soutenez pas, ou qu'elle soit à parté poste avec l'idée que, au fond, tous ensemble, nous sommes fils de, non pas fils de Dieu, mais fils de la terre, et que tous ensemble, nous sommes ainsi, pour notre meilleur, un. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, un. Et c'est même là que le problème commence à se poser pour moi. Je voudrais contraposer, si vous le permettez, une phrase de Humboldt à tout ce que Benjamin, retravaillé par vous, nous dit. Cette phrase de Humboldt, elle est très simple. C'est une phrase de linguiste. Il dit « Le langage se manifeste dans la réalité, je le cite, hein, uniquement comme multiplicité. Autrement dit, il n'y a pas le langage, il y a des langues. Il y a une pluralité. Et c'est un fait babélien, soit, mais heureux. C'est du bonheur que d'être après Babel. C'est un plus et non pas un moins. Et nous n'avons pas comme tâche ou comme prescription humanitaire, comme prescription fraternelle, comme prescription écologique, comme prescription, pas plus que comme prescription religieuse que vous avez évacuée, nous n'avons pas à retrouver l'un. Ça n'est pas cela notre vocation. Voilà au fond le point d'interpellation. Alors, voilà le point de réaction à votre interpellation. Et je voudrais détailler cela un peu plus, si vous le permettez. Donc, mon point de réaction, c'est la multiplicité qu'il nous faut. Et non pas l'unité. Et vous ajoutez cette prescription beaucoup plus forte et beaucoup plus intelligente, me semble-t-il, qu'une unité simple. C'est ce qui compte, c'est la construction. C'est la construction de l'unité.
Alors là, on peut commencer à être d'accord. Parce que ce qui compte, c'est la construction de l'unité, pourquoi pas. Mais ce qui compte, c'est le mouvement qui nous permet de passer, de traverser, de transporter, de traduire. Là, j'en arrive à quelque chose de précis. Quand j'ai commencé ce dictionnaire, il y avait parmi les gens que j'avais convoqués pour faire un embryon ou un semblant de conseil scientifique, Tullio Gregori, qui est un Italien remarquable, qui a fondé le Lessico Intellettuale Europeo. Et il m'a dit, mais au fond, Barbara, tes entrées là, les lemmes que tu vas choisir, ce sont des concepts ou bien des mots? Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était des mots et non pas des concepts. Et que ce dont il s'agissait, c'était de philosopher en langue avec un S. Et de comprendre que même dans ce lieu le plus universel, qui est la pensée philosophique, qui n'est pas la singularité exceptionnelle à chaque fois du poème, ou la singularité à chaque fois exceptionnelle de l'œuvre littéraire, mais qui laisse de côté apparemment ce que Derrida appelait l'intraduisible corps des langues, hein. Apparemment, nous ne nous en préoccupons pas, nous les philosophes, nous nous préoccupons des concepts. Nous vivons dans un monde où, après tout, si nous faisons de la philosophie anglo-saxonne, Aristote est mon collègue à Oxford. L'histoire et la géographie des langues importent peu. Nous pensons par concept. Et notre esprit humain est le même à nous tous. Eh bien, pour moi, ça n'est pas ça le point intéressant. D'abord parce que je n'en sais rien, je veux bien le croire, admettons. Mais je dirais volontiers comme Humboldt, bon, moi ce que je rencontre, c'est la pluralité des langues. Et non pas le langage, ni non plus la caractéristique universelle de Leibniz. Je ne dissèque pas les universaux. Je ne l'ai, vous savez, ce grand idéal de traductibilité et d'unicité, il a été parfaitement mis en branle par Leibniz, pour qui nous avions l'idéal, ça aurait été de savoir écrire, c'est-à-dire de savoir écrire les concepts au point de les diffracter en ce qu'il appelait les identiques, c'est-à-dire des idées de base. On n'aurait même plus besoin de traduire, puisque nous avions tous les mêmes idées de base. Et, comme dit Leibniz, on se serait assis et on aurait dit « calculons ». Et une erreur de raisonnement se serait vue comme une erreur de calcul. Pour moi, c'est la caractéristique universelle qu'il y a dessous une conséquente visée de l'universel en philosophie. Et cela implique un point de vue de Dieu. Je ne vois pas que l'unicité, l'unité, soit possible sans point de vue de Dieu. Or, ce que je constate, c'est qu'il y a une pluralité des langues. Alors ensuite, on reviendra, si vous voulez, pour moi, l'exemple le plus clair que vous avez pris, dont vous voulez vous détacher, mais à mon avis, pour s'en détacher, il faut plutôt faire comme je tente de faire que comme fait Benjamin, pour s'en détacher, c'est Heidegger. On reviendra sur l'exemple de Heidegger. Mais continuons un tout petit peu. Ce qui me paraît important, c'est la différence des langues, et non pas le langage, parce que simplement, le langage, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où c'est, je ne le trouve pas. Et ça n'est pas simplement que je ne le trouve pas plus que je ne trouve le cheval et que je vois plein de chevaux, ou que je ne trouve la table, l'idée de table, et que je vois plein de tables. Hein. Mais c'est que la pluralité des langues... C'est l'absence de tout bouquet. Comment ? C'est l'absence de tout bouquet. L'absence de tout bouquet, absolument. C'est, idée même et pure, l'absence de tout bouquet. Bon. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on peut creuser les différences et les faire communiquer entre elles. C'est cela l'idée qu'il y a dans la langue de l'Europe, c'est la traduction. La langue de l'Europe, c'est la traduction, c'est-à-dire c'est le mouvement de faire communiquer entre elles des différences.
Je voudrais essayer d'expliquer, si vous permettez, mais peut-être que ça va être un tout petit peu long, pourquoi ce dictionnaire est à la fois un geste philosophique et un geste politique. Et comment je rejoins, me semble-t-il, la politique que vous souhaitez, mais avec un geste philosophique marqué au coin de la sophistique. Ce dictionnaire s'intéresse aux intraduisibles. Qu'est-ce que c'est, les intraduisibles ? Ce sont simplement des symptômes de différence, des symptômes de la différence des langues. Pourquoi « mind » c'est pas tout à fait « geist », c'est pas tout à fait « esprit » ? Pourquoi « saudade » ça n'est pas tout à fait le roumain « d'or », ça n'est pas tout à fait « spleen », ça n'est pas tout à fait « mélancolie » et comment ? Comment chaque langue dessine un monde ? Humboldt disait par exemple que chaque langue était un filet jeté sur le monde et qui ramenait d'autres poissons. Il y a peut-être un monde commun, il y a certainement un monde commun, supposons qu'il y a un monde commun, mais nous le trouverons à la fin s'il existe. Et c'est là où je vous rejoins, c'est-à-dire que c'est le mouvement qui compte. Nous le trouverons peut-être, s'il n'a pas été là avant, au moment de la création, si nous ne croyons pas au messianisme, si nous ne croyons pas à la langue originelle, à la langue d'Adam, alors, on peut bien supposer une langue messianique, mais, ou un monde unique, mais pour l'instant, nous avons quelque chose qui est à construire et qui n'est pas là. Et c'est cette construction qui m'intéresse comme vous. Là, je crois que nous nous rejoignons. Alors, Je ne croyais pas que l'invention de l'unité, l'invention de l'unité, c'est une question stratégique. Et si tout est éclaté, alors l'invention comme idéal régulatif, absolument. C'est une façon de tensionner les langues. Et ne laissez pas s'écarter, vous voyez. Oui, de les mettre en tension. C'est tout une à fait question, d'accord. C'est une question stratégique, ce n'est pas une question ontologique. Ontologie historique. C'est une question stratégique, tout à fait d'accord. L'ontologie est très stratégique aussi. Mais enfin, c'est une question politique, en effet. Je vois que la chose, vous êtes en train de discuter sur le vocabulaire. Mais José m'a parlé sur le vocabulaire. Voilà. Mais je veux bien m'arrêter là et reprendre, mais j'essayais d'expliquer quel sens politique a le dictionnaire et comment il a été construit. Il a été construit contre deux mondes qui nous menacent, qui sont très présents et dont nous ne voulons pas. Le premier, c'est le globish, global English, c'est-à-dire un monde beaucoup trop bref pour atteindre l'unité. C'est une unité factice, fictive, d'accord, on peut demander en globish un café de Tamanrasset à Pékin, mais on le demande dans aucune langue. Et tout ce qu'on fait comme œuvre, si je donne comme définition provisoire de la langue, eh bien c'est des auteurs et des œuvres, les seuls auteurs et les seules œuvres, c'est les dossiers qui servent à demander de l'argent à Bruxelles. Bon, ça, c'est du globish. Nous, en France, on est extrêmement violentés par le globish. Aujourd'hui, on nous demande de construire des laboratoires d'excellence, des initiatives d'excellence, et on nous les demande en anglais. Non, pas en anglais, qu'est-ce que je raconte ? Certainement pas en anglais, personne ne comprend l'anglais. On nous le demande en globish. Ça n'a rien à voir avec l'anglais dans lequel a pu s'écrire Shakespeare, Joyce ou Jane Austen. Rien à voir. Et d'ailleurs, si par hasard, c'était un oxonien, quelqu'un d'Oxford, qui faisait notre dossier de la Dex, personne ne le comprendrait. Donc, on n'aurait absolument pas d'argent. Donc, il faut payer des officines qui parlent très mal anglais, qui ne parlent pas du tout anglais, qui parlent globish, et leur demander de traduire nos dossiers de manière à les soumettre à des experts qui sont de temps en temps, ils ne parlent que le français, mais ça fait rien. Ils lisent le globish et si ça fonctionne à peu près, moi j'ai fait quelque chose, j'ai fait un labex qui portait sur la notion de transfert. Et on m'a dit, vous êtes d'accord, on va le traduire par network. Bon.
vous connaissez bien le Portugal, alors. Voilà. Je crains que ça ne soit très européen. Et vous voyez, ça, c'est un des objectifs. C'est un des objectifs, combattre ça, est l'un des objectifs de ce dictionnaire. Et le fait qu'il soit traduit aujourd'hui aux États-Unis, à Princeton, a cette visée stratégique. Hein, c'est se servir de l'English contre le Globish. Et se servir, le Globish étant, alors là c'est très contestable ce que je vais vous dire, c'est vraiment ce que je pense, étant étayé par un certain type mal pensé de philosophie analytique, qui vise l'universel et qui prône l'ordinaire. Donc, entre l'ordinaire et l'universel, on est dans la philosophie analytique et on va tout droit dans les experts qui ne savent parler que le globish. Et de toute manière, les concepts sont le même. Encore une fois, Aristote et mon collègue à Oxford. Ah non ? Eh bien alors, c'est que vous ne faites pas de la philosophie. Bon. Donc, justement, moi, je propose qu'on fasse de la philosophie en langue avec un S. Pour cette raison-là. Donc ça, c'est le premier ennemi. Et le deuxième ennemi, c'est Heidegger, ou, si vous voulez, ce que j'appellerais le nationalisme ontologique. Et c'est là où j'en reviens à Benjamin, malgré tout. Le nationalisme ontologique consiste à supposer qu'il y a une visée unique parce qu'il y a un « il y a » unique, à savoir, et là on est dans l'ontologie dure, l'être. Et le nationalisme ontologique consiste à faire une hiérarchie des langues et à dire que, eh bien, le grec, voilà la langue philosophique. Et vous parliez du jugement de Heidegger par rapport à la traduction du grec en latin. Je partage complètement votre avis. Donc, le grec, voilà une langue philosophique. Et puis l'allemand, encore plus grec que le grec. Et ça consiste aussi... Enfin, permettez-moi de vous lire une phrase de Heidegger contre laquelle je m'insurge, contre lequel tout ce dictionnaire est construit. Hein ? La langue grecque est philosophique. Autrement dit, elle n'a pas été investie par de la terminologie philosophique, mais elle philosophait elle-même déjà en tant que langue et que configuration de langue. Et autant vaut de toute langue authentique, naturellement à des degrés divers. Ce degré se mesure à la profondeur et à la puissance de l'existence d'un peuple et d'une race qui parle la langue et existe en elle. Voilà. 33. Bon. Hein, de l'essence de la liberté humaine. Voilà. Donc, ni globish, ni nationalisme ontologique. Donc, surtout pas non plus une unité et une universalité, j'allais dire, trop rapides. Et à mon sens, elles sont toujours trop rapides. C'est ça le point. De la construction, mais certainement pas de l'universel, ni antérieur, ni nécessairement visé. Ne visons pas l'un. Pour moi, il y a un mot qui convient à ce que j'ai essayé de faire dans ce dictionnaire. C'est un mot de Deleuze. Ça s'appelle déterritorialiser. Déterritorialiser, ça veut dire que c'est depuis ailleurs qu'on s'aperçoit de là où on est. C'est depuis une autre langue qu'on s'aperçoit que c'est une langue qu'on parle. Et tout ce dictionnaire est là pour faire sentir la pluralité des langues comme une pluralité, si vous voulez, d'individus qui communiquent évidemment et dont tout le jeu est de se faire modifier l'une par l'autre. Mais avec cette idée qu'une langue, ça n'appartient pas. Ça, c'est une phrase magnifique de Derrida sur laquelle je voudrais construire l'Europe, justement, plutôt que... une visée benjaminienne, vous voyez, d'une unité qui va peut-être, encore demain, arriver un jour. C'est pas bon. Idée, non, mais bon, alors on reviendra sur votre idée et on précisera. Non. Mais je passe la parole évidemment à José. Je profiterai à la fin pour dire un mot sur l'affaire. Mais enfin, en tout cas, mon idée c'est que une langue, ça n'appartient pas. Hein. C'est une idée arendtienne, ça. Je vais passer. Pardon. José, non, José, desculpe-nos, já percebeu que isto no planeamento não funciona. Bom, não. O do meio está ligado.
Bien, je voudrais continuer cette discussion-là. Parce que... Non, mais alors, je parle en portugais ou en français? En portugais. Bon. Bem, a língua portuguesa não, alors, também não é falada, embora haja tradutores, e hoje já não há tradutores porque ninguém fala em português. Não sei se sabem. Por isso mesmo, por isso é que eu estou a pedir que falem em português. Para isso há tradutores, há tradução simultânea que está hoje. Vamos tirar proveito dela. Mas os traductores traduirão do francês ao português. Bom, então. Eu vou falar em português nesse caso. Eu ia precisamente falar de muitos princípios, pressupostos que estão na intenção e na realização deste vocabulário europeu da filosofia. Mas Bárbara Cassin tirou-me muitas palavras da boca. Bom, eu retomo para que a conversa continue no mesmo plano e sobre o mesmo tema. Eu queria retomar a questão a questão que ela acabava de pôr e que eu formulo citando-a. Um dos objetivos deste vocabulário, que tem por subtítulo Dicionário dos Intraduzíveis, é precisamente escapar à antinomia, porque há uma, pode-se mostrar, entre, precisamente, um universalismo lógico, de que falou Bárbara Cassin, e um nacionalismo ontológico, cito, com a essencialização do gênio das línguas. Quer dizer, a nossa língua é intraduzível e a saudade é intraduzível e aqui fazemos disto, desta palavra, fazemos uma essência que é ontológica, própria do nosso ser e que é intraduzível, e isto implica uma espécie de territorialização, fixação num território que não muda. Da mesma maneira que um universalismo lógico que levava à traductibilidade total e transparente das palavras. Ora, a solução que ela aponta é a desterritorialização. A desterritorialização e nós, a desterritorialização acaba Bárbara Cassin por definir como precisamente uma maneira de nós nos situarmos a partir de um deslocamento, de um fora de nós, que é a outra língua e a tradução para a outra língua. Aqui a teoria é perfeita, belíssima, e eu pergunto-me se e a prática quer dizer, o que eu pude ler muito pouco, segue em parte muito isso, esse princípio. Esse princípio significa uma coisa difícil, extremamente difícil, que é
precisamente transferir de uma língua, um intraduzível, que pode ser uma expressão, uma distância, um écart, e que é transferível para a nossa própria, é a tarefa do tradutor, para a nossa própria língua, tendo em conta precisamente que é intraduzível porque é diferente e porque está, não é na nossa língua. E esta maneira de fazer escapava, era uma maneira que implicava uma multiplicidade de sentidos, uma multiplicidade de operações, e, sobretudo, implicava que a tradução dos conceitos filosóficos fosse colhida na própria língua, no tecido da língua, através do que Barbara Cassin chama redes terminológicas. Para citar, uma, traduzir um termo, traduzir uma língua, significa que cada entrada, cada termo, parte de um nó de intraduzibilidade, em português é intraduzibilidade, e procede à comparação de redes terminológicas de que a distorção faz a história e a geografia das línguas e das culturas. Explicita assim os principais sintomas da diferença das línguas. Bom, os intraduzíveis são, neste vocabulário, explicitados como sintomas da diferença das línguas. Agora, eu pergunto-me o seguinte, e esta é a primeira pergunta, tenho várias. Primeira pergunta a Bárbara Cassin. As redes terminológicas, que são termos e não conceitos, não são redes de conceitos como se vê em dicionários que fazem a história dos conceitos, por exemplo. Aqui vai-se à língua. E eu gostava de citar uma frase que, já não sei de quem, de Schleiermacher, que diz que o sol, não, Deus, a palavra Deus é colorida pela língua. E a primeira questão que eu queria pôr era, o que é que significa aqui colorida com a língua? Eu lembro-me, isto faz-me lembrar, uma frase do Fernando Pessoa no livro do Desassossego, que diz, Deus é uma questão de ritmo. Bom, mas gostava de ter uma resposta. A segunda, eu tenho muitas questões e não queria... Se realmente o conceito é apanhado na língua, e isso também é uma desterritorialização do conceito classicamente pensado, então não, qual é o trabalho? Este trabalho que foi feito aqui, que é absolutamente extraordinário, tiro 20 vezes o meu chapéu diante deste extraordinário trabalho, queria dizer, e saudar, por muitas razões. Mas queria pôr as questões. Então, se nós vamos à língua mesmo, não é um trabalho que é absolutamente infinito, que implica uma espécie de genealogia do conceito a partir do termo linguístico da língua comum?
Porque se põe a questão, vai-se à língua ou estas redes terminológicas são redes terminológicas que partem de um conceito e que vão ser retomadas, transferidas para uma outra língua que terá uma outra rede terminológica a partir de conceitos. O que eu queria agora, quer dizer, estamos nós diante de uma tarefa impossível, impossível porque infinita. Estamos nós diante de um pressuposto, de uma teoria da gênese do conceito a partir do termo da língua? Que pode parecer. Isto são perguntas que eu ponho. Eu tinha aqui precisamente a questão que a Bárbara Cassan pôs. O intraduzível é um conceito? Ela respondeu, não, é um termo. Bom, enfim, e vai ser a última questão, eu vou lê-la, né? E vai ser quase provocatória. Porquê provocatória? Porque eu admiro profundamente o trabalho e estou de acordo com os pressupostos teóricos que o guiam. Por exemplo, uma das virtudes deste vocabulário é de fazer flutuar os sentidos e mover as significações. Isto é muito importante porque é também um dicionário de problemas e de que levanta ele próprio problemas filosóficos, não dá definições. Estamos diante de uma obra que sai fora dos caminhos tradicionais, dos dicionários filosóficos. Pergunto-me, no entanto, se este vocabulário não pressupõe uma certa ideia metafísica da tradução filosófica e, portanto, da filosofia ela própria. Quero dizer, a primeira sobre a ideia da tradução, seria a ideia de que ela supõe uma homologia, quer dizer, um mesmo plano de traductibilidade ideal, dos problemas e dos conceitos intraduzíveis. Haveria, assim, um plano único, ideal? Eu sei que a Bárbara Cassan vai responder não. Haveria um plano único, ideal, onde todas as línguas, como diz Benjamin, convergiriam e ele acrescenta-se que se reconciliariam. Bem, mas não é o facto... não é o que Bárbara Cassan aceita com a sua ideia de multiplicidade aberta. Simplesmente, há qualquer coisa, eu não posso falar realmente nem de metade, nem de um quarto, nem de um quinto, eu li algumas entradas só, todas elas notáveis, todas elas preocupadas pelo problema e encarando o termo a partir do problema da sua traductibilidade. Mas como é que eu hei de dizer? Nunca on ne perd jamais pied en lisant ce vocabulaire. C'est vrai? On devrait perdre pied, on devrait avoir le vertige. C'est ce que je me dis, ben ça peut être subjectif, ça c'est rien, ça on peut,
mais en lisant un, et puis choisissant des articles très différents, merveilleux, obéissant précisément au principe de écart différentiel, des ramifications, des réseaux, c'est formidable. Je peux vous citer des entrées de, je sais pas, Étienne Balibar, c'est merveilleux, des choses comme ça. De Barbara Cassin, j'ai lu aussi. Bon, seulement, pourquoi on ne perd jamais le vertige? Parce qu'il devrait y avoir, devrait y avoir esse vertige, essa vertigem. Porquê que deveria haver essa vertigem? Porque nós tínhamos que encontrar o intraduzível do intraduzível. Não é? Ora, nós estamos a encontrar o quê? Eu sei que não posso generalizar, mas muitas vezes, várias vezes, eu encontrei o quê? A transferência de um intraduzível numa língua para um intraduzível na outra língua. Por exemplo, Leib, Korb. A diferença entre a chair e le corps, Körper e Leib, em alemão. E a diferença... E então, aliás, eu não quero fazer... Aí aparece o que, afinal de contas? A transferência de uma diferença para uma outra diferença. E então, assim... Podemos traduzir. Quer dizer, nós deveríamos poder traduzir para chegar a um intraduzível mais. Não é? Nessa multiplicidade. Ora, comment dire? Eu diria que tudo está magnificamente posto. Mas pergunto-me se não há uma, aqui e ali, uma redução da irredutibilidade de uma língua quando ela é traduzida para outra. Estamos longe ou não estamos? Ou como considerar as traduções de Hölderlin, que Hölderlin faz de Sófocles, que são precisamente vertiginosas, e onde a intraductibilidade se reproduz e prolifera em multiplicidade. C'est vraiment injuste de ma part. Não, é injuste. Ah bom, alors, très bien. J'ai d'autres petites questions à poser, moins importantes. Mais je ne sais pas. Je laisse là. Cette question-là, elle est énorme. C'est au fond une déception quant au statut de l'intraduisible. Est-ce qu'on passe d'un intraduisible dans une langue à un intraduisible dans une autre langue? Ou même, on va être généreux, d'un réseau d'intraduisibles à un réseau d'intraduisibles. C'est déjà un peu moins décevant. Hein. C'est déjà un peu moins décevant. Et ça va l'être beaucoup moins si j'essaye d'expliquer pourquoi moi j'ai le vertige. Pourquoi moi j'ai eu le vertige en faisant ce livre. J'ai eu le vertige parce que j'ai compris que les entrées qu'on avait choisies, en particulier pour les langues que je ne connais pas, par exemple le russe, l'ukrainien. Les entrées qu'on a choisies, ce sont tous des mots homonymes. Ce dont il s'agit dans ce dictionnaire, c'est là où je vais revenir à la sophistique, c'est des homonymes. Je voudrais lier deux de tes questions, José. La première, c'était sur la coloration et l'éclairage par la langue. Hein. Cette magnifique phrase de Schleiermacher qui dit
Chaque langue en philosophie authentique soutient un système de concepts, lui il parle de concepts, qui, précisément parce qu'ils se touchent, s'unissent, se complètent dans la même langue, forment un tout dont les différentes parties ne correspondent à aucune de celles du système des autres langues, à l'exception, et là il dit, et encore, de Dieu et de l'être, le premier substantif et le premier verbe. Car même l'absolument universel, donc vous voyez, là on est dans l'universel, bien qu'il se trouve hors du domaine de la particularité, est éclairé et coloré par la langue. Autrement dit, l'universel est linguistique, et donc il y a des universels, et non pas, bon, éclairé et coloré par la langue. Comment ça se fait que ce soit éclairé et coloré par la langue? Moi, je vais vous proposer une définition de la langue qui me vient de Lacan, et qui s'applique aux langues de l'inconscient, mais moi, je l'appliquerai volontiers à toutes les langues. Cette définition, c'est la suivante. Une langue, virgule, entre autres, avec un S à autre, vous voyez qu'on parle de la pluralité des langues, et c'est de là qu'on part, une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. C'est dans l'étourdi. L'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. Lacan parle des langues de l'inconscient, hein, des « la langue », comme il dit. Moi, j'applique ça à toutes les langues. Et justement, c'est là où je trouve le vertige. Nous passons. Quel est le modèle de la traduction qui est sous-jacent à cela? Ça n'est pas passé d'un intraduisible à un intraduisible, je veux dire, dans un petit cocon à chaque fois. C'est de passer d'un nuage d'homonyme à un nuage d'homonyme. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment immaîtrisable. Et c'est vraiment le contraire de la traduction automatique telle qu'elle est pratiquée par tous les traducteurs automatiques aujourd'hui, sur le modèle de Sistran, par exemple, où on part d'une langue, et puis on transfère cette langue via l'anglais, via une langue pivot, qu'on a tenté de désambiguer entièrement, à une autre langue. Hein. L'important, pour traduire, pense-t-on, c'est de désambiguer, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'équivoque qui subsiste. C'est comme ça qu'on va arriver à faire un bon traducteur automatique. On va passer d'une langue naturelle à une langue quasi artificielle, en l'occurrence l'anglais, désambigué, à une autre langue naturelle. Bon. Et les langues naturelles se caractérisent par quoi? Par le fait que, eh bien justement, elles sont ce que leur histoire y a laissé subsister d'équivoque. Et je prends tout de suite un exemple. Je disais que pour les langues que je ne connaissais pas, on s'était aperçu que, au fond, nous n'avions comme entrée que des mots homonymes. Par exemple, pravda. Pravda, ça veut dire vérité, qu'est-ce que vous nous racontez? Ça veut dire vérité, le journal s'appelait Pravda, voilà, c'était, il disait toujours la vérité. Non. Pravda, ça traduit justice, ça traduit dikaiosune dans la Bible, c'est-à-dire ce qui veut dire justice. Pravda veut d'abord dire justice. Et puis, ils veulent dire vérité. Et il y a un mot pour dire exactitude, c'est istina. Et moi, quand je dis vérité, ou je suppose quand on dit verdad, eh bien, nous sommes homonymes par rapport à la langue russe. Car notre vérité, qui ne dit pas la justice, conjoint l'exactitude. C'est-à-dire que nous sommes entre nous. Notre vérité, c'est un homonyme par rapport à la langue russe parce que ça conjoint istina et pravda, même si ça ne prend pas tout de pravda. Et pravda est homonyme pour nous, car ça conjoint vérité et justice. Et là, nous sommes dans un système qui n'est pas simplement un bout d'intraduisible qu'on va trimballer comme saudade, avec spleen ou mélancolie ou quoi encore, je ne sais pas, dans un autre intraduisible, avec un autre degré d'intraduisibilité, avec d'autres... Non, nous sommes dans du complexe dur, à savoir des homonymes. Et quand je dis sens en français, eh bien, il y a trois entrées dans le dictionnaire français. Hein ? Une entrée qui veut dire signification, une entrée qui veut dire sensation, et une entrée qui veut dire direction. Eh bien non, je regrette, c'est le même mot. C'est un homonyme
pour un dictionnaire. Mais c'est le même mot, c'est « sensus », qui veut dire à la fois, parce qu'il traduit le grec « nous », il veut dire à la fois l'intuition de Dieu, il veut dire à la fois l'esprit par opposition à la lettre dans un mot et dans une traduction, et il veut dire la direction, l'intention vers laquelle on doit se diriger. Donc, sens en français, qui est une conflagration à partir de sensus, n'a rien d'homonyme alors qu'il y a trois entrées de dictionnaire. Ou si vous voulez, c'est vraiment homonyme. Mais homonyme pour des vraies raisons. Hein ? Homonyme pour des raisons d'histoire de la langue. Et donc, c'est cela, c'est ces équivoques qui sont centrales. C'est, si j'ai à redéfinir l'intraduisible, je dirais, c'est là où se noue l'homonymie. Et mon idée, et là je voudrais vous répondre à nouveau, mon idée c'est que nous n'arriverons à nous comprendre que si nous déplions le mieux possible et toujours encore les homonymies incluses dans les langues, les homonymies qui peuvent évidemment être elles-mêmes des couleurs, être elles-mêmes des tremblements, être elles-mêmes des, nous faire toucher la coloration d'une langue. Hein. Mais voilà le point essentiel. Et c'est là où je reviens à la philosophie. C'est-à-dire que les sophistes, ceux qui m'ont beaucoup intéressé dans l'Antiquité grecque, merci de fermer juste la porte. Les sophistes ont été exclus hors de l'humanité par Aristote. Aristote a dit, les sophistes, ils parlent comme des plantes. Justement, parce qu'ils ne respectent pas le principe de non-contradiction. Et le principe de non-contradiction, il n'est fondé que sur le fait qu'un mot a un sens et un seul. C'est-à-dire, parce que je vous dis bonjour, je ne vous dis pas en même temps au revoir, ou alors je ne parle pas. Hein ? Si je vous dis en même temps bonjour et au revoir, je ne parle pas. Je suis une plante, c'est un logos de plante. Bon. Et c'est cela qui a fait, si j'ose dire, bouter hors de la philosophie les sophistes. Bon. Vous voyez l'importance et la force d'un geste qui tente de saisir les homonymies et qui prétend qu'on ne les saisit bien qu'à partir d'ailleurs. C'est à partir du russe que je comprends que vérité est homonyme. C'est à partir du français que les Russes comprennent comment et à quel point mir, qui veut dire à la fois monde et paix, est homonyme. Et à quel point les guerres et paix jouent sur ces deux sens, guerre et monde et guerre et paix. Bon, c'est à partir d'ailleurs qu'on se voit soi-même comme parlant une langue et qu'on comprend que sa langue est un tissu d'équivoque, celle que son histoire y a laissé subsister. Et pour revenir au vertige et au tremblement, pour moi, la phrase qui est la plus forte et qui dit le plus ce dont il s'agit, ou ce dont je voudrais qu'il s'agisse, car peut-être qu'on n'y arrive pas avec ce dictionnaire, c'est une phrase d'Anna Arendt dans son journal de pensée qui parle à propos de la pluralité des langues, de la chancelante équivocité du monde. Et elle dit pluralité des langues, je la cite. S'il n'y avait qu'une seule langue, nous serions peut-être plus assurés de l'essence des choses. S'il n'y avait qu'une seule langue, eh bien on saurait, on connaîtrait mieux l'essence des choses. Ce qui est déterminant, elle continue, c'est le fait qu'il y ait plusieurs langues et qu'elles se distinguent non seulement par leur vocabulaire, mais par leur grammaire, c'est-à-dire par leur manière de penser. Là, c'est la syntaxe benjaminienne. Hein. Et que toutes les langues peuvent être apprises.
étant donné que l'objet qui est là pour soutenir la présentation des choses peut s'appeler aussi bien tis que table. Cela indique que quelque chose de l'essence véritable des choses que nous fabriquons et que nous nommons nous échappe. Au sein d'une communauté humaine homogène, l'essence de la table est indiquée à peu près sans équivoque par le mot table. Mais dès que nous arrivons aux frontières de la communauté, voilà que l'essence chancelle. Cette équivocité chancelante du monde et l'insécurité de l'homme qui l'habite n'existeraient naturellement pas s'il n'était pas possible d'apprendre les langues étrangères. D'où l'absurdité d'une langue universelle. Contre la condition humaine, l'uniformisation artificielle et toute-puissante de l'équivocité. Voilà. Pardonnez-moi cette très longue citation, mais ce que je trouve magnifique, c'est la manière d'étayer la chancelante équivocité du monde et l'insécurité de l'homme qui l'habite dans la pluralité des langues et dans la communication entre ces langues, c'est-à-dire dans le fait de les apprendre, de pouvoir en connaître plusieurs. Et c'est cela que j'ai essayé de construire dans ce dictionnaire et qui, moi, me fait très peur parce que je suis vraiment... C'est vraiment un dictionnaire sophistique, c'est-à-dire c'est un dictionnaire qui, au fond, n'est chez lui que dans l'homonymie et dans la communication entre les homonymies. Et c'est pour ça que c'est aussi loin que possible de quelque chose de l'ordre d'une traduction automatique. Bien que... Il faudrait maintenant repenser une traduction automatique qui permettrait de passer d'un nuage d'homonymes à un nuage d'homonymes. Mais c'est là ce que fait ce dictionnaire. Il essaye d'aider à penser le rapport entre des nuages d'homonymes. Voilà. Et c'est en ce sens qu'il est profondément non philosophique, profondément non universaliste, mais profondément sophistique. Je me demande, pour une question uniquement de encore de provocation, je me demande si équivocité est le bon mot. Est-ce que s'agit-il d'équivocité dans cette multiplicité de sens ou de différence, parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que la multiplicité, est-ce que l'équivocité, je vais être très méchant. Hein. Vas-y. Si l'équivocité ne renvoie pas finalement à une univocité sans différence, est-ce que l'équivocité ne renvoie pas à une finalement à une clôture, donc à une un achèvement du sens, à ce tout et à ce un dont que tu refusais, alors que si nous parlons de c'est comme multiplicité et multiple, si nous parlons de multiple dans une discussion quelconque, ça reviendra, ça renverra à un nain. C'est sûr. Si nous parlons de multiplicité, on ne peut pas renvoyer à un nain. C'est très différent, multiple et multiplicité. Ça, c'est une question terminologique, mais puisque nous sommes dans la discussion des langues et des homonymies et tout ça, je me demande seulement ce que tu en penses. Je me trompe peut-être. Hein. Je suis pas sûre de comprendre la différence entre multiple et multiplicité. L'un renvoyant... Multiple, c'est le multiple d'un nain. Et multiplicité n'est pas en rapport avec l'unité ou l'unicité? Non. Et pourquoi? Parce qu'une multiplicité est différentielle en elle-même. Elle n'a pas à pour être multiple, pour être dans la multiplicité, elle se définit comme infinie. Enfin,
D'accord, je veux bien définir la multiplicité comme ça, mais je vois pas pourquoi on définirait pas le multiple aussi comme ça. Mais c'est peut-être un usage terminologique. Oui. Donc, ok, oui. D'accord avec tous les usages qu'on voudra. Pour moi, il est évident que un contre-torpilleur est d'abord et avant tout un torpilleur. Hein, c'est une phrase de Beaufray qui est d'une vérité. Complète. Hein. Un contre-torpilleur est d'abord et avant tout un torpilleur. Donc, je suis complètement d'accord pour dire que le multiple est d'abord et avant tout un 1 et que la multiplicité est d'abord et avant tout une unité. Mais je ne vais pas la différence. Donc, je dirais que la différence, elle peut exister. Tu peux la construire. Elle tient au dispositif, à ton dispositif. Hein. Non, c'est parce que je suis habitué à être toujours... amené à m'affronter avec une unité, un nain, lorsque on défend dans une discussion, dans un débat, on défend le multiple. Le multiple est le multiple d'un nain. C'est un nain qui se multiplie, qui se divise, qui se fragmente. Alors que la multiplicité, elle vaut... Comme pluralité infinie par elle-même. Et excuse-moi, mais quelle est la différence ? Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire que l'équivoque, c'est comme le multiple, et que c'est-à-dire que ça pourra se réduire à l'univoque, mais que l'équivocité ne se réduira pas à l'univocité, comme le multiplicité ne se réduira pas à l'unité ? Enfin, je pourquoi non ? C'était pourquoi non ? Oui, pourquoi on pourrait pas dire bon ben voilà. L'équivocité ne se réduit pas à l'univocité. Oui, juste voudrais juste répondre sur le fond. Hein. Je dirais que l'équivocité, que je ne sais pas différencier de l'équivoque pour moi, ne renvoie pas à l'univocité, parce que s'il s'agit d'un autre geste de construction du réel. Et je dirais comme ça la chose, au lieu de partir des choses, on part des mots. C'est ce que Platon, dans le Cratyle, refusait absolument. Il faut partir des choses et non des mots. Eh bien, dans ce dictionnaire, on part des mots et non des choses. Et donc, on part du multiple. Mais du multiple au sens où tu dis multiplicité. Hein ? On part de l'équivoque au sens où je pourrais dire équivocité. C'est-à-dire celle qui ne se réduit pas puisque, justement, on en part. Donc il n'y a aucune raison qu'elle se réduise à, puisqu'elle implique qu'on en est parti. Excusez-moi. Laisse-moi. Ouais. Excusez-moi, je veux parler mon horrible français. J'enlève ça. Alors. Parce que nous sommes en train de finir. Mais je reviens sur la question de la langue, l'unité de la langue ultime, unique, etc. C'est évident que c'est un idéal. Et c'est pas. C'est évident que de cet aspect, un idéal, le concept de la langue, la langue en général. Mais la question est de savoir si, d'une façon asymptotique, se rejoint jamais les langues. Cette idéalité des langues, l'absence des bouquets. Mais nous avons besoin de ce genre d'idéalité pour penser à une certaine question stratégique. Et après, je voudrais souligner la suivante question. Par exemple, quand on parle sur les extraterrestres dans la théorie du ciel, à une certaine distance, au vis-à-vis de l'urgence ou la catastrophique, la menace de l'abstention, nous sommes tous égaux. Vis-à-vis de cette situation, nous sommes ensemble d'une façon catastrophique, mais la réponse peut être multipliée ou variée, mais la situation nous impose une réponse
que à la fin va être comment, oh, tout va éclater. Alors, on peut penser que dans cette, dans la perspective de fin ou de l'extension, la chose, de la question de l'unité a un autre poids. Ce n'est pas une question métaphysique ou ontologique, d'ontologie histoire, de savoir si c'est mieux l'unité que la pluralité. Moi, je crois que la pluralité, à certains moments, c'est bien, à certains moments, c'est insupportable. Alors, ça dépend. Je n'ai pas aucun parti pris pour la différence contre l'identité et la multiplicité contre l'unité. Pour moi, c'est indifférent. Ça, à certains moments, nous avons besoin de souligner, hein, à certains moments, nous avons besoin de souligner le contraire. Pour moi, ce sont, des, comme disait Foucault, ce sont toujours des enjeux stratégiques. Absolument. Et pas, et on parle on peut le comprendre bien, vous entendez les deux. C'est une question stratégique. Mais j'aimais tellement bien ce que vous avez dit, lieu d'Arendt. Parce que Arendt dit une chose là, tout ça se résout dans la voix, dans le concert des voix, dans la pluralité des voix. Parce que chaque fois, c'est unique. Elle a une espèce d'incarnation de la langue, de toute l'histoire de la langue. C'est une question absolument politique, parce que pour prendre la voix, c'est demander l'écoute de l'autre. Alors, c'est la fondation de toute cette communauté humaine qu'on pense idéalement pendant tout l'Occident. Ouais, cette idée d'une habitation commune et poétique de la Terre. Ouais. Je crois que pour pouvoir penser cette question, déplacer les problèmes pour la pluralité des langues existantes et contre une unité théologique, mythique, originaire, dans l'origine, ou contre une vision proto-communiste d'une langue artificielle à la fin. Je crois que c'est par la révolution. La traduction, l'Übersetzung, la transduction, ça se passe toujours dans le moyen, dans le milieu, pas dans le fond, dans le principe. Toute l'affaire de la traduction, c'est le milieu, c'est les moyens. Non, et ça m'a coûté un peu parce que vous m'avez mis sur la question de vous l'acceptez au principe ou à la fin. Mais c'est pas vrai, on peut penser sans l'accepter. Ça, c'était cette idée d'unité au principe ou à la fin. Parce qu'il y a cette invention. De milliers. Si vous voulez trouver l'unité, vous pouvez la trouver d'une façon matérielle. Il suffit d'ouvrir la Bible ou ouvrir le manuscrit économique philosophique de Marx, parce qu'il est matériellement inscrit dans un objet du monde. Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question matérielle. Oui, et ça, si nous tous sommes d'accord que ce genre d'opposition, ils ont des forces, une nécessité, un besoin historique, une nécessité historique, mais le problème c'est là, c'est ce qui se passe dans la transition entre les deux, dans les parcours entre les deux. Mais, c'est mon idée. Et je crois que, à la fin, je crois que j'étais bien d'accord avec votre stratégie générale. Mais ce n'est pas une question d'unité ou non, de mythique ou politique à la fin de l'histoire. Ouais. Non, ok. C'est d'accord. D'accord. Je suis d'accord. Parce que j'ai senti le besoin de me défendre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai été attaqué. Non, j'aurais une petite chose à dire. J'ai l'impression que vous avez été un peu trop raide en ce qui concerne Benjamin, parce que il attribue une très grande importance à l'intraduisible, hein, et donc il y a des ponts. Lui-même parle de la différence de l'intention avec laquelle on vise brotte et on vise pain. C'est la même chose que tu dis, hein. Alors c'est seulement, c'est pas que j'aime extraordinairement Benjamin, hein, mais je trouvais que c'était là un peu. Ça, c'est vrai. Tu as raison, mais le problème, c'est que
Eu acho que se é materialismo, está absurdo. O materialismo se é sujeira ou medida. Acho que se é. Tá. Il y a de vrais problèmes avec la théorie des germains. C'est pas le dernier mot dans l'histoire de la traduction, mais c'est un symptôme historique, comme Heidegger l'a été, d'un problème que je crois que c'est un problème réel au niveau de la politique des langues. Ce que dit José, c'est vrai. Il veut insister un peu. Quant à moi, un peu trop, sur l'idée de la traduisibilité. Mais je le lis matérialistiquement de cette façon-là. On ne peut pas faire autre chose que traduire. De toute façon, tout le monde est en train de traduire. Ou tout est en train d'être traduit. Vous comprenez? C'est pas, le problème, c'est une tradition infinie. Ça ne s'arrête jamais. L'idée, c'est pas c'est intraduisible, c'est tout le monde est en train de traduire. Il y a, nous sommes en état de traduction. Vous savez, je suis tellement d'accord que je définis l'intraduisible non pas comme ce qu'on ne traduit pas, mais ce qu'on ne cesse pas de, entre parenthèses, ne pas traduire. Donc je suis entièrement d'accord, ça, bien sûr. C'est une belle définition. C'est vrai. Je aurais de l'avoir dit. Très bien, Oscar. Madame, Tony Emilia, qui a dit l'ultima parole pour les cerrar. Passe-moi qui. Je pense qu'on ne cesse de... Ne pas traduire. Voilà. Nous vous remercions... À moins qu'il y ait une question de la part du public. Cette table ronde, je me rends compte à quel point elle a fait un grand écart extraordinaire, parce qu'elle était... Oui, vous avez une question? Ah, alors... Il faut rendre... C'est la dernière question. Ah, d'accord. La dernière question. Boa tarde, Jorge Andrade. Eu coloco a minha questão a partir da minha ignorância de línguas, não é? E ignorância das línguas que radica, penso eu, no facto de nos primeiros 3 anos em que estudei línguas, francês, inglês, não tive presente a oralidade por parte do professor, não é? Era mais português, não é? Do que francês ou inglês. Só depois ao 4º ano é que o professor só falava mesmo francês ou inglês, não é? O meu cérebro já estava programado, criando-me dificuldades. A questão é esta. As intervenções que fizeram, há naturalmente, e porque são os 3 filósofos, fragmentos, no mínimo, não é? Sobretudo ali no professor Bragança Miranda, de pressupostos ou, digamos, uma língua filosófica na conversação, não é? A questão que me ocorre colocar, porque me traz de facto problemas, é este. É se a língua da filosofia tem que ser uma língua escrita, ou se a filosofia é uma filosofia de linguagem oral. Assim, eu penso que os problemas que são apresentados para a tradução entre línguas, não é, nessa pluralidade de línguas, também se coloca na tradução, será uma tradução, da filosofia oral para a filosofia elaborada escrita. Digamos que o filósofo que escreve, ou o que escreve, está a ser um tradutor, simultaneamente coreógrafo, cenógrafo, etc, etc. E para mim surge-me até aqui uma questão prática, aqui prática sem ser no sentido de moral, não é? Digamos que é outra equivocidade, não é, do termo prático em português, que é, tendo vocês pelo menos fragmentos de filosofia naquilo que foram dizendo, pensando, não é? Pensaram filosoficamente durante o tempo que aqui estiveram, e pensaram em termos orais, não é? Houve uma oralidade. Ora, o tradutor que eu tive aqui nos meus ouvidos, não é? Do rádio, tanto quanto sei, ele não está aqui dentro. As cabines estão lá fora. Como é que esse tradutor pode ser cenógrafo, coreógrafo, reelaborador, digamos, tradutor do que está a ser dito em termos de oralidade? Como é que transpõe isso, digamos, nas abordagens que faz no dicionário, na construção dos verbetes, não é? Era a questão que tinha para colocar.
Les traducteurs nous voient, ils ont un écran. Moi, j'ai été dans la cabine, ils nous voient. Voilà. Pas de traducteur sans chorégraphe, sans chorégraphe. Temos que devolver a sala, então que falar fora. Muito obrigada. Obrigado ao tradutor, à tradutora, não é? Que fez um trabalho, imagino, fantástico. Connosco a falar desta maneira.